L'univers que Jean-Christophe Granger a créé dans son livre Miséroé était très clair, hein, au niveau de l'atmosphère, au niveau du feeling. T'as une gueule à faire des conneries quand t'es tout seul. Non, mais je crois que de toute façon, il y a un truc naturel qui s'est fait. C'est encore partie des premiers rôles qu'on me propose, et puis c'est encore un personnage un peu écorché, donc forcément, j'y trouve mon compte. Le personnage de Salek, c'est un personnage quand même très intéressant. C'était quand même un challenge pour lui au départ, mais j'ai tout de suite senti qu'il en était complètement capable, juste si j'arrivais à bien le diriger et à trouver vraiment l'essence du personnage. Franck Salek, Interpol, et vous êtes ? Lionel Casse d'Orbéry. Il n'y a pas de limite d'âge dans la police française ? J'adore faire des flics à la retraite qui ne peuvent pas se détacher de ce... On ne peut pas se détacher de ce qu'est un flic. Ça a été vraiment génial parce qu'ils sont vraiment introduits dès le départ. En fait, ils sont très similaires. Gérard, il a été d'un paternalisme très sain avec moi, quoi. Très, très humble, très, très normal. Ça a donné vachement de force à ce qui se passait, quoi. Il y a eu cette relation un peu de mentor et d'apprenti, quelque part, qui s'est fait naturellement. Et je pense que le film est très singulier dans ce sens-là. Il est unique. Il a une esthétique qui sort du lot.